la chasse sous-marine. Le Mérou, roi des profondeurs. L'épinéphélus, communément appelé mérou, est sans aucun doute l'un des animaux les plus emblématiques des fonds méditerranéens. Sa distribution géographique s'étend depuis la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique. Il est très abondant dans le sud de l'Espagne et sur les côtes d'Afrique du Nord. Le mérou commun, ou épinéphélus guaza, est un poisson hermaphrodite, tout d'abord femelle, qui se transforme en mâle lorsqu'il atteint sa maturité sexuelle entre 9 et 12 ans. Le mérou de Méditerranée peut atteindre un poids maximum de 25 à 35 kg et mesurer 110 cm. La badèche, Epinephelus alexandrinus, est une autre espèce de mérou plus littorale et plus menue que le mérou commun, qui vit jusqu'à 300 mètres de profondeur. Lorsqu'arrive l'époque du frai, sa livrée adopte des couleurs spectaculaires destinées à attirer l'attention de ses congénères. Le mérou, appelé tachano, est une espèce moins fréquente dont la forme allongée et pointue le distingue clairement du reste de sa famille. Il vit parfois en groupes assez importants. Le mérou est un prédateur très vorace qui se nourrit de délicatesses qui font que sa chair soit très appréciée sur le plan culinaire. Son menu préféré est à base de céphalopodes, de crustacés et de petits poissons qu'il capture d'un coup de mâchoire imposante, armé de dents affilées. Ce poisson a un tel renom que l'homme a inventé les techniques de pêche les plus diverses pour le capturer, comme l'appalangre que l'on cale, en général au lever du jour, au moment où les mérous abandonnent leur refuge pour partir à la recherche de leur nourriture. Cette technique de pêche requiert un certain entraînement de la part du pêcheur, surtout lorsqu'il s'agit d'amorcer les hameçons, car les lignes se déroulent sans arrêter la navigation. Les appâts les plus utilisés pour la pêche au mérou sont le poulpe et le hareng. La palangre calée, on la laisse poser au fond pendant quelques heures pour donner le temps au poisson de venir mordre les appâts. Certains pêcheurs professionnels emploient ces heures creuses pour hisser les filets qu'ils ont installés pour la capture d'autres espèces, comme les fameuses langoustes. Les premières captures ne se font pas à temps. Il s'agit de petites raies que les pêcheurs nettoient avant de les hisser à bord. Les langoustes, prisonnières de ces fins filets, sont libérées avec beaucoup de soin, afin de ne pas leur arracher un de leurs membres si fragile. La journée passe vite en mer, et bientôt arrive le moment de remonter la palangre, en espérant qu'un mérou ait eu la tentation de mordre l'un des appâts. Lorsqu'on pêche le mérou à la palangre, il est fréquent qu'on capture une grande quantité de murènes, car ce sont des poissons très voraces qui se jettent rapidement sur les appâts morts, un repas qui ne leur coûte aucun effort. Les pêcheurs enroulent la palangre, au fur et à mesure qu'il la hisse à bord, pour éviter que la ligne mère ne s'en mêle avec les hameçons. Il faut bien choisir la taille des hameçons pour que toutes les captures réalisées aient une taille réglementaire, comme cet exemple de dorade grise qui a mordu l'un des succulents appâts. Soudain, la ligne tire vers le fond avec force. Il est probable qu'il s'agisse du premier mérou de la journée. En effet,
C'est un bel exemplaire de quelque 5 kilos qui se résiste à être hissé sur le bateau. Comme le mérou vit dans les éboulis rocheux, il est fréquent que les hameçons de la palangre se prennent dans les rochers et que l'on doive tirer sur la ligne mère avec force pour les décrocher ou les casser s'ils ne cèdent pas. D'autres exemplaires, incapables de résister à la tentation, ont mordu les succulents appâts qui constituent leur nourriture préférée. Une fois la palangre rangée, les pêcheurs font une petite visite à la balise où, à plusieurs occasions, on a surpris des poissons de passage réfugiés sous son ombre. Bien que le temps soit clair, on a du mal à apercevoir les poissons de grande taille. On peut tout de même observer un petit banc de poissons pélagiques qui se sont concentrés sous la bouée. Ces poissons, extraordinairement voraces, se ruent sur n'importe quel appât qui leur tombe sous le nez. En peu de temps, les pêcheurs capturent plusieurs exemplaires qui permettent de finir en beauté cette amusante journée de pêche. Avant de rentrer au port, les pêcheurs préparent un repas avec une partie du poisson capturé. Un excellent bouillon pour une paella de langoustes prête à rassasier les estomacs qui commencent à se faire entendre. Pendant la navigation de retour, les pêcheurs mettent le poisson capturé dans des caisses, puis le couvrent de glace afin de le vendre sur le marché. En général, les jeunes mérous sont capturés dans les fonds rocheux du littoral avec des filets ou des palangres. Les exemplaires de grande taille, en revanche, se capturent sur les plateformes continentales au chalut. La capture de ces grands animaux requiert une technique compliquée et des engins de pêche spécifiques, car la force qu'ils déploient lorsqu'ils se sentent attrapés leur permet parfois de s'échapper en ouvrant de grandes brèches dans les robustes filets qui les emprisonnent.